Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai vu que la vidéo où je testais le pire jeu Spider-Man vous avait extrêmement plu. Donc je me suis dit, on va faire pareil mais pour cette fois le pire jeu Marvel. Ce jeu a été attribué au jeu Marvel Avengers, donc ça a été un flop incroyable. Il faut savoir que moi avant je voulais absolument y jouer, mais après quand j'ai vu que tout le monde le détestait, ben, j'ai annulé, je voulais plus y jouer. Là j'ai vu qu'il coûtait seulement 5 €, je me suis dit pourquoi pas y jouer. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo vu que vous avez extrêmement plu la dernière vidéo sur ça. Donc n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, en mettant ton gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On est parti pour la vidéo, let's go! Ok les gars, donc là on est sur Marvel Avengers et donc on va commencer le jeu tout simplement et j'ai envie de dire let's go. C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. C'est peut-être le signal que j'attendais. Non, en vrai le jeu, il est beau. Agir. Mais après, en fait, ce que j'aime pas dans ce jeu, c'est que c'est pas un jeu monde ouvert comme Spider-Man, les bails comme ça. C'est ça c'est pour ça que j'ai pas voulu y jouer. Regarde là! Oh, il était temps. Oh. Ces sièges sont terribles. C'est vraiment superbe. Oh, je m'attendais quand même à ce que Spawn soit doré comme son nom l'indique. Il y a vraiment beaucoup d'autres enfants. San Francisco, je crois. Tout génial. La compétition, c'est ce qui nous fait progresser. Et s'ils aimaient pas mon histoire, ou bien s'ils attendaient autre chose, il faut qu'elle soit parfaite, tu comprends? Oh, quand tu es né, ton frère trouvait que tu avais des yeux globuleux. Quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était les plus beaux yeux que j'avais jamais vus de toute ma vie. Nous sommes tous uniques, Kamala. Tu devrais être fière de qui tu es. Je t'aime, Apu. Je t'aime encore plus. Et je suis sûr que tu vas gagner ce concours. Oh là là, t'imagines? Et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts est Kamala Khan. Et la foule m'acclamerait. Voilà, c'est ça l'idée. Promets-moi une chose. Que tu gagnes ou non? Oh, je serai quelqu'un de bien, Apu. Oh, bêta. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça, ma fille. Nous approchons du quartier général des Avengers sur la gauche et nous poserons bientôt sur le chemin. Oh. Mais pourquoi c'est à San Francisco? Normalement, c'est à New York. Allez, Apu, on y va. J'arrive. Calme-toi un peu. Allez, Pépé. C'est parti pour le concours d'écriture. Ok, donc là ce que j'ai compris, c'est l'Avengers Day. Wow. Oh, Iron Man, il est tellement badass. Ok. Bonjour finaliste, tu peux me donner ton nom? Kamala Khan. Et voici mon père. Youssouf. Les Khan, super. N'oubliez pas notre grande chasse aux comics. Récupérez les 5 et vous pourrez accéder au balcon VIP. Une fois que vous les aurez tous, scannez votre téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez monter. Tu n'as pas déjà assez de comics? Mais c'est pour le balcon VIP. Il faut que j'y accède. Plutôt cool. Okay. Mais j'espère que je verrai les vrais. 2 hours later. Ah, il est là. C'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Il oui, bah oui. Scanne ton téléphone. Tu as bien les comics? Sésame, ouvre-toi! Je détiens tous les comics! Allez! Merci à tous! Nous sommes ici pour fêter ensemble un événement extraordinaire! C'est le plus beau jour de ma vie! Oh! Je suis content, Beta.
bien plus formidables que nous le sommes. Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source. Mais il n'est pas là, Iron Man ? Appelé Terrigen. On m'a beaucoup vanté sa puissance. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert, le docteur George Tarleton. Merci, Capitaine Rogers. Le chimère est alimenté par un nouveau minéral, le Terrigen. Il y a 3 ans, j'ai découvert une étrange pierre, oui, dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru... Ah, c'est pour ça ils sont à San Francisco. Oh. Bonjour, San Francisco. Oh, trop stylé. Même si pour se garer, c'est pas gagné. Je vais me pencher sur le problème, d'ailleurs. C'est trop badass. Mais qu'il a un flow, Iron Man, c'est une dinguerie. Ah. Oh non, j'aime pas du tout ça. Faut qu'on parte d'ici. Viens. Ah merde. Oh non, l'entrée elle a été ratée. Non. Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaie de suivre. Prépare le Quinjet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Oui, évidemment. Je vais te prendre me rattraper. Wow. Ça commence à devenir intéressant. On va faire ça vite. Oh lolo. C'est pas attendu. Thor, essaie de dégager un passage sur le pont. Oh, ça va être à moi. Il y a au moins 2 centaines d'hommes armés ici. Oui, moi je veux jouer. Non, il est trop puissant. Allez, venez. Tony, Thor, vous en êtes où ? Okay. Des mortels sont pris au piège. Oh, c'est badass, j'adore. Là, j'appuie un peu sur tous les boutons. Hein. Merci pour votre aide. Des civils sont coincés derrière ces barricades. Compris. Mais je crois que j'ai un peu compris les touches. Pas de problème, Thor. Oh, pouh. Allez, venez vous battre. Oh. Thor, tu as pu identifier nos ennemis ? Ils ne se sont pas présentés. Attendez, ces armes viennent du SHIELD. Je vais contacter le commandant Hill. Cap, ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Je sais pas vider. D'accord, Bruce. Je reste dans le chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. Allez, là, meurs. Oh, dans la gueule. Oh lolo. Tellement de puissance. À terre, les secours arrivent. Vous inquiétez pas. Les viens de pote. Oh. Oh lolo. Oh. 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 Tonnerre. Qui a dit que tu serais le seul à avoir le droit de t'amuser? Stylé. Oh. Ah mais il meurt instantanément. Je dois l'avouer, c'était très impressionnant. Franchement, pour l'instant ça va. Pas terminé, Stark. Hey, revenez ici. Oh, je joue en tant qu'Iron Man. Oh. Un convoi du SHIELD a été détourné ce matin. Ce serait pas assez briefing de Fury que je lis jamais ? Tu devrais, Tony. C'est important. D'accord, peu importe. Mais j'arrive pas à le contrôler, Iron Man. Ok. Des roquettes. Mais descends ! Ravi de voir que Fury avait rangé tous mes gadgets au même endroit. Ok, c'est comme ça. Ces roquettes vont déstabiliser le pont. Oui, je sais, c'est moi. Le docteur Tarleton est en route. Oh, je peux faire des esquives. Wow. Restez à couvert. Bon, qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus ? Avenger, le convoi transporte des prototypes secrets du SHIELD. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Hill, comment va le chat ? Dites à Fury
que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je me tiendrai informé. Allez, viens là. Ce qui est un peu chiant dans les jeux comme ça, c'est qu'il n'y a pas de Spider-Sense, tu vois. Le Spider-Sense, ça aide vraiment, tu vois, pour esquiver. Oh lolo. Non, en vrai, il est badass. Ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge ? J'apprécie. Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien sûr. À toi, Bruce. Oh oui. Oh, let's go, on va contrôler Hulk. Oh la dinguerie. Oh, je peux prendre des gens. Je peux les taper. Oh, c'est trop violent. Oh, c'est trop violent. Arrêtez. Trop de... Oh, je le ressens dans les coups. Oh, c'est trop violent. Ok, j'ai compris. Wouhou! Ça c'est audace! Sonic, là! Je suis poursuivi! Ils sont agaçants, pas vrai? J'arrive! Oh tiens, dans ta gueule! T'as souffert! T'inquiète! Non, il est trop puissant! Trop puissant! Je le vois! Hulk, je fais atterrir le Queen Jet! Il l'a balancé en mode je m'en bats les couilles de toi. Tes inventions sont dangereuses, Stark. Eh, hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Mec, c'est une catastrophe. Cap, il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. Mais il est content. Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap, je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Oh, je joue avec Captain. Oh oui. Tu m'entends? Ah, t'aimes pas, hein. Nat, tiens dans ta gueule. On a été coupé. Captain, on a un problème. Je sais, Doc. Ils essaient de détourner le Chimère. Pas ça. J'avais jamais vu de tels résultats. J'arrive dès que possible. En vrai, Captain, il est un peu surcoté. En vrai, il est un peu gaze, hein, contrairement aux autres. Avengers, si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Une bombe sonique? C'est une blague ou quoi? Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Allons voir ça. En voilà une entrée. Ah, c'est Taskmaster. Taskmaster. Pour récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Oh,
Oh là 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 là, c'est catastrophique. Oh, je joue en tant que Natacha. En vrai, c'est stylé, Natacha. Elle est badass. Même si je préfère Captain quand même. Ah, Natacha. Wow. C'est tout ce que tu sais faire, petit con. Ok. Oh, c'est stylé, je peux l'attraper. Oh, je me mets sur lui et tout. On dirait que t'as perdu, non? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la vie s'effondre. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Beta. C'est pas vrai. Il est mort? Captain, il est mort? Donc voilà les gars, on a fini ce petit gameplay. En vrai, le jeu est sous-coté parce que franchement, pour l'instant, il est grave bien. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, en tant que gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce les gars, je vous fais un gros bisou et je vous dis tchuss!